Oliver Kahn a profité de la présentation aux médias de Thomas Tuchel pour lutter doucement sur Paris Saint-Germain, que le nouvel entraîneur du Bayern Munich avait entraîné par passé. Photo Icon Sport. Les dirigeants du Bayern Munich n'ont pas oublié que Thomas Tuchel était dans le passé l'entraîneur de Paris Saint-Germain. Entre l'été 2018 et décembre 2020, avant son licenciement et son départ pour les Anglais de Chelsea, à une conférence presse samedi, Oliver Kahn a abordé club la capitale française lors la présentation du technicien allemand. Choisi par le champion allemand 2022 pour succéder à Julian Nagelsmann, avec qui travail quotidien est devenu intenable comme expliqué Bihassan Salihamidžić. Il a réussi dans le PSG, le président bavarois voulait rappeler son passage réussi France. Marqué en particulier par une finale de la Ligue des Champions perdue 2020 contre le Bayern Munich. Nous n'avons pas à parler des qualités de Thomas ici. Il réussit à PSG. Il les a conduits à la finale de la Ligue des Champions et travaillé avec beaucoup de superstars. Là-bas, il a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea dans le processus. C'est un CV. Heureux que Thomas soit maintenant notre entraîneur. Salut l'ex-gardien de la Mannschaft. Breac International. Décisif dans la course pour le titre de champion. Toujours course en Ligue des Champions après avoir éliminé Paris Saint-Germain 8e de fin le 11 avril au stade Etihad et le 19 avril à la Allianz Arena.